Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Courrier. Aujourd'hui, je suis super content parce que je viens de recevoir ça. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un bureau. C'est un bureau qui est réglable d'une manière électrique. On va pouvoir le mettre haut et travailler debout. Et on va pouvoir, en appuyant sur un bouton, le redescendre dans la position assise. Il y a quelque temps, je ne savais même pas que ce type de bureau existait. Et il y a quelques semaines, la société FlexiSpot m'a proposé de m'en envoyer un pour le tester. Donc aujourd'hui, je vais le monter. Je vais vous donner mes premières impressions en ce qui concerne la qualité et son fonctionnement. Et dans quelques semaines ou dans un mois, je vous dirai vraiment ce que j'en pense en ce qui concerne mon usage au quotidien. Alors voilà, je me suis attaqué au montage tout seul comme un grand. J'ai eu besoin de personne. C'est assez facile de le faire. Et je mets bien sûr ce passage en accéléré parce que c'est pas quand même super passionnant. Voilà, le bureau est monté. Ça m'a pris environ 1 heure pour le faire. C'est franchement pas compliqué, c'est bien expliqué. Et il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Mes premières impressions après l'avoir monté, ben, c'est que c'est solide. C'est lourd et ça respire la qualité. En ce qui concerne les couleurs, vous avez plusieurs coloris possibles. Moi, je l'avais demandé en noir car je suis en train de refaire mon bureau et les couleurs seront dans les tons gris comme ça. Enfin, bref, c'est pas très important. Ce bureau peut monter et descendre, ce qui vous permet, eh bien, de temps en temps de travailler debout. Ça va vous soulager le dos si vous travaillez longtemps derrière votre ordinateur. Et il est assisté par 2 moteurs qui permettent de supporter jusqu'à 100 kilos. Vous voyez, moi je peux m'asseoir sur le bureau sans problème. Je fais pas 100 kilos évidemment, mais je tiens dessus et je ressens pas la moindre petite faiblesse de la structure. En parlant de structure d'ailleurs, elle est extrêmement stable, d'accord? J'ai vu des tutos qui parlaient de ce type de bureau en disant que c'était pas du tout stable. Eh bien, apparemment, ils ont corrigé le tir puisque celui-ci est extrêmement stable. On va voir la vitesse d'élévation et la vitesse de descente. Vous allez voir que c'est assez rapide. Alors, pour cela, j'ai mémorisé la position haute. Donc, on a la possibilité de le faire. Et on peut aussi, si on le souhaite, programmer des heures pour que d'un seul coup, ça se mette en position haute ou inversement, que ça descende. Donc, je vais cliquer sur la position haute et vous allez voir que ça va monter super vite grâce à ces 2 moteurs puissants. C'est ce qui favorise aussi sa stabilité. Et au niveau sonore, c'est pas du tout gênant. Voilà. C'est terminé. Je peux maintenant travailler en position debout si je le souhaite. Si vous avez un autre plateau, si vous avez déjà un bureau et que vous ne souhaitez pas tout changer, eh bien, vous avez la possibilité d'adapter un plateau sur la structure. Vous n'êtes pas obligé forcément de prendre un plateau de chez FlexiSpot. Vous pourrez en adapter un jusqu'à 180 de longueur sur 80 de large, ce qui fait déjà un bon bureau. Vous avez donc la possibilité de tout à fait changer la longueur du bureau. L'autre particularité super intéressante avec ce modèle, c'est qu'il a un détecteur d'obstacles. C'est-à-dire que lorsque ça va descendre, s'il y a un obstacle, et ben pof, ça va s'arrêter. Je vais vous montrer avec une chaise. Voilà, je vais la positionner ici et je vais appuyer sur 2. C'est là que j'ai mémorisé la position la plus basse, celle que j'utiliserai lorsque je serai assis. Donc voilà, ça a touché et hop, automatiquement, ça se remet dans une position de sécurité. Donc voilà tout ce que je peux dire actuellement sur ce bureau. J'ai voilà, l'impression que c'est de la bonne qualité. Je ne l'ai pas encore testé dans la configuration de travail et je vais pour cela m'en servir pendant plusieurs semaines. Et lorsque j'aurai bien l'habitude de m'en servir, je vous dirai ce que j'en pense vraiment et éventuellement, je vous dirai si bah, je travaille debout ou pas. Voilà, parce que ça, je ne suis pas sûr que je m'en servirai debout. Mais en tout cas, j'aimerais bien
essayer parce que j'ai des problèmes de dos à force de rester assis et j'aimerais bien voir si ça apporte vraiment une différence ou pas en ce qui concerne voilà, cette posture qu'il faut corriger. Et ben justement, ben je pense que ça pourrait vous intéresser si vous travaillez tout le temps assis dans un bureau comme moi. Je vous ferai un retour sur ça dans quelques semaines. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. De toute façon, vous aurez des liens de la société FlexiSpot ainsi que des liens d'achat si vous souhaitez vous procurer ce bureau dans la description. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour vous avertir des prochains tutos ou des prochains cours ou éventuellement des prochains tests. Allez, ciao!